L'installation d'une entreprise dans un lieu donné, de quel type qu'elle soit, a toujours suscité des interrogations sur ce que gagneraient les communautés par rapport à cette proximité. Ainsi, dans le cadre de sa politique RSE, la société PMC a mis en place le Fonds d'investissement social et environnemental en s'engageant à mettre une enveloppe annuelle de 450 000 dollars minimum pour aider au développement économique et social des collectivités locales, à savoir le conseil départemental de Kiedougou et la commune de Tomboron-Koto. Nous sommes à notre troisième année. Chaque année, nous injections au minimum 450 000 dollars. On peut aller jusqu'à euh, 850 000 dollars. On peut aller jusqu'à 1000 dollars. Ça tout dépendra des bénéfices, tout dépendra du chiffre d'affaires de PMC. Plus le chiffre d'affaires de PMC augmente, plus cette cagnotte-là qu'on injecte au niveau du développement économique euh, augmente. Le fonds d'investissement social et environnemental a été mis en place avec l'accompagnement d'une stratégie discutée, partagée et acceptée par toutes les parties prenantes. Là où je veux juste insister. C'est dire que ce fonds d'investissement a été mis euh, en place avec l'accompagnement d'une stratégie qui a été discutée, qui a été partagée et qui a été acceptée. Et au niveau de cette stratégie, PMC ne s'impose pas. Mais PMC laisse aux collectivités locales la possibilité d'identifier les micro-projets les plus pertinents, per, pertinentes, de les faire valider au niveau du plan annuel d'investissement, au niveau du débat d'orientation et de prendre à travers ce plan annuel d'investissement les quelques projets qu'ils. Elle pense que c'est des projets vraiment phares, c'est des projets prioritaires, c'est des projets durables, c'est des projets vraiment qui s'harmonisent avec les autres programmes de la zone. Et une fois validé, PMC donne le OK aux collectivités locales qui travaillent avec le bras technique qui est l'ARD pour la mise en place maintenant de ces projets au niveau communal. C'est en ce sens que la réhabilitation de la mairie de tomboron a été retenue parmi les priorités du conseil municipal. À l'époque, l'état de cette infrastructure ne reflétait pas du tout une bonne image de la commune. Dans la région de Kédougou, la quasi-totalité des communes qui ont bénéficié de ce genre d'infrastructures ne s'en sont pas du tout servies. La commune de Tomboron-Koto a eu la chance d'avoir PMC à ses côtés. Ainsi, pour assurer une meilleure gouvernance locale, PMC a déboursé une enveloppe de 47 733 031 francs CFA pour réhabiliter l'hôtel communautaire de Tomboron-Koto. Par cette belle réalisation, tomberon sort du lot de ces communes qui ne sont communes que de nom, sans aucune infrastructure digne de son nom, véritable reflet de l'institution. Dans sa politique et vision de soutien au développement local, PMC accorde une attention particulière à l'éducation. C'est dans ce cadre qu'une enveloppe de 45 986 653 francs CEPA a été débloquée pour la construction de deux blocs de deux salles et le mur de clôture du lycée de Mako. La sécurité des élèves est désormais assurée. Je suis très satisfait et c'est une occasion pour moi euh, d'exprimer mes chaleureux remerciements au PMC et aussi à la mairie de Tomaronkouto parce qu'on euh, avait un besoin accru Très important en salle de classe et en sécurité. Chacun peut, on peut rentrer n'importe où, les animaux rentraient, les, les gens venaient faire n'importe quoi au, au, au lycée. On avait des serpents, des rampants, la plupart ils venaient. Ils... Bon, c'était pas sûr au niveau des. pour les enseignants et aussi pour les élèves. Et grâce à ces réalisations, le mur de clôture a assuré la sécurité pour. Eux à l'école et aussi pour les élèves. Le taux de préscolarisation a été boosté avec la construction de la CTP de Mako pour un montant de 20 802 995 francs CFA. Nous sommes très contents. Le bisou que vous nous avez fait aussi avec le partenaire PMC et le maire de, de Tamaran nous vous en remercions beaucoup parce que cette année, nous avons accueilli plus plus d'enfants, parce qu'on effectue de 150 enfants. Si en plus, vous pouvez nous aménager un espace de loisirs. À Tomboron-Koto, les tout petits sont désormais accueillis dans un meilleur cadre. Les coûts de construction de la CTP de Tomboron-Koto s'élèvent à 24 631 162 francs CFA. Et depuis l'implantation de la société minière au sein de la commune de Tomboron-Koto, euh, nous avons senti énormément leur engagement par rapport à beaucoup de secteurs, en particulier en ce qui concerne mon secteur, euh, le secteur de l'éducation, plus précisément la, euh, la petite enfance. C'était un très, très euh, euh, une très vieille doléance, la construction de la CTP. Mais avec l'avènement de l'implantation de la société minière, en collaboration avec eux, la commune, ils ont pu, euh, les rêves sont devenus en réalité une, une réalité. De passage, je remercie vraiment PMC. Qui sont engagés du jour au lendemain pour vraiment un développement pour cette commune. Manifestement, chaque jour, les enfants se disent ah, Vraiment, nous avons une très belle école. Et chaque jour aussi, on ne on on, on manque pas à avoir les enfants qui veulent venir vraiment dans ce sens de joie. L'aspect qui est fondamental, l'éducation inclusive. Chaque jour, les enfants viennent Je veux venir à la case. C'est important. À partir de là, maintenant, ils vont pouvoir bénéficier d'une préparation pour aller à l'élémentaire. La population, que ce soit ma génération, la génération ancienne et la génération du futur, on doit vraiment prendre ça à bras le corps pour la bonne gestion. Parce que ça va servir de génération à génération. En plus des différentes actions déroulées par MSA pour le compte de PMC, pour soulager la souffrance de la population de Yémeneké, en montant de 18 149 138 francs CFA du FIS a été injecté pour la construction d'une case de santé. Non, c'est quelque chose qu'on qu qu le souhaitait, qu'on voulait, et ça a vu le jour grâce à PMC. On va beaucoup diminuer l'embouteillage au niveau des postes. Parce que beaucoup de choses, on va intervenir à partir des cases de santé. Ça va soulager la population, ça va soulager l'ICP qui est à Makou. Très important, avec les cinq villages alignés là, cette grande population là, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Les, en tout cas, les soins primaires, ils vont le faire ici au niveau de Nyemeniké. Avec MSA C'est une équipe qui est venue nous renforcer, nous donner vraiment des choses pour vraiment des sensibilisations, changement sensibilisation de comportement. On, nous, agents de santé, on va vers la population pour qu'il y ait un changement de comportement euh, sur beaucoup de choses. Et sur les mesures de prévention du sida, l'assainissement et l'entretien de l'atterite, parce que dalle, c'est la première des choses. Qui est très important dans un village d'al. La défécation à l'air libre, on a interdit maintenant ça à la population vraiment de créer des latrines. Même si ce n'est pas moderne, au moins chaque ménage doit avoir des latrines. Grâce au Fonds d'investissement social et environnemental, en montant de 50 624 602 francs CFA, a été injecté dans la réalisation du foyer des jeunes de Mako. Une fois valorisé, cet espace pourrait servir de cadre de formation et d'épanouissement pour la jeunesse. C'est un plaisir aussi, ça a eu un impact, à vrai dire, euh, qu'on se passe par la vérité. Nous, la population de Mako, on a longtemps demandé aux, aux personnes qui ont peut-être les, les capacités de mettre à notre disposition peut-être un foyer ou quelque chose pour la jeunesse. Mais avec l'appui de PMC et, le, et la mairie, euh, M. le maire, une fois les camarades à travers le fils, ils ont mis en place euh, ce bisou que nous avons tellement apprécié et dont nous n'avons pas les mots pour les remercier. C'est bien de construire, mais il faut aussi accompagner. Par exemple, l'accompagnement, c'est quoi Peut-être mettre à notre disposition, peut-être. Euh, des, des bureaux, des mobs. Comme ça, on pourra même faire des activités de formation des jeunes. Des L'eau jaillit bien dans les villages de Ngari et de Niemeneki grâce à l'installation de forages évolué à 15 53 142 francs CFA. Jadis, ces deux villages de la commune de Tomboronkoto souffraient du manque d'eau.

maine min heɓaydu surdou awdi ko arta nder communté morgoto ko ñaminik eto morgoto magasin ko ɗon awdil affaire jippoto si ari ɗoon joni hivernage uvernagenis ndungu waɗi alaaka mare ko komamin jippomi lado ensignamɓe clas gooto mi na ton dés foisklaseawnowaɗi empce ɓenɗoɗumɗoka say me haa min waakilo hays wonaali fofo na remooɓe a 50 pourcent mon si wonirema 60 pourcent miɗani ɗum ɗon kan demalnondenafoore L'enveloppe totale dégagée pour ces différentes réalisations que nous venons de visiter est chiffrée à 232 939 340 francs CFA. Force est de reconnaître que de 2018 à 2020, PMC a alloué à la commune de Tomberon-Coteau un montant de 758 460 367 francs CFA. Et PMC compte injecter davantage de moins en fonction de son chiffre d'affaires.